Dans le vieux parc, solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne ? Colloque sentimental. Dans le vieux parc, solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc, solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne ? Pourquoi voulez-vous donc qu'ils m'en souviennent ? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ? Toujours vois-tu mon âme en rêve ? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible où nous joignons nos bouches. C'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles et la nuit seule entendit leurs paroles. Et c'est de Paul Verlaine. Je lis ça pas très bien, hein. je suis pas comédienne, mais c'est un poème que j'aime beaucoup. Je trouve que Colloque sentimental, c'est très fort. J'aime l'idée du discours aussi. Et j'aime l'idée qu'il y a un personnage qui soit complètement déjà dans la pré-relation et l'autre qui est au contraire figé dans le passé. Et j'aime aussi cette phrase à un moment donné, vous voyez, il dit « Ah, les beaux jours de bonheur indicible, ah, les beaux jours », c'est, je crois, si je vous dis pas de bêtises, que c'est un peu ce qui a donné son nom à « Oh, les beaux jours » aussi de Samuel Beckett, que j'adore. Finalement, la poésie, c'est un langage à part entière. On n'écrit pas de la poésie en français ou en allemand, on écrit de la poésie en poésie. Enfin, c'est un langage et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent cette langue et il y en a d'autres qui ne la parlent pas. Et on ne peut pas forcer ça. Et il y a des gens qui ne comprennent pas trop l'intérêt de la poésie. Si je sens que c'est le cas, je ne vais pas m'aventurer à leur en offrir. Mais par contre, si j'ai l'impression qu'ils parlent ce langage-là, ou qu'au moins ils le comprennent et que ça les fait vibrer, bah ouais, j'ai qu'une seule envie, c'est de partager ça avec eux. Et je sais que c'est réciproque parce que du coup, j'ai reçu ce recueil.